Oui. Bonjour. 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 Ça faisait 8 ans que nous nous étions pas revus sur les réseaux. Nous sommes vendredi, il est 10 h. Dans quelques heures, j'ai une compétition importante. C'est pourquoi je me permets, plutôt que de m'entraîner, de jouer à Trackmania. Nous allons ici faire la campagne, découvrir très rapidement avec mon acolyte. Il s'agira simplement d'une petite découverte, une promenade de santé, dirons-nous, afin de nous accaparer les différentes cartes de cette campagne hiver 2022. Alors, c'est parti. Voilà, on y va. Je me rappelle plus trop. Ah si. Ah oui, c'est pas mal ça au début. Bon bref, pas trop m'attarder sur les blanches, hein. Comme dans la vraie vie, de toute façon. Ce qu'il faut, c'est simplement comprendre l'essence des cartes. Et voir ce que le cartographeur a voulu nous faire passer comme émotion. Et au lieu de raconter des conneries, je vais peut-être me concentrer sur la route. Hop. J'ai du release. Bon, bref, on va se contenter de ça. De toute façon, c'est pas très très important, les premiers circuits. Ce qu'on connaît. Ce qu'on fait en compétitif de toute manière, donc voilà. Parti. Hop, magnifique. Alors, oui, Trackmania, ça faisait 1 000 ans que j'avais pas joué. Puis on a joué un petit peu il y a une semaine, 2 semaines. On a remarqué qu'il y avait des pubs maintenant. Effectivement, hein, il manquait la petite patte. Il manquait la petite patte de Ubisoft, hein, dans le jeu. Et maintenant, il y a des pubs quand on roule. Donc voilà. C'est mieux. Mais de refléter l'entreprise. Je pense que c'est mieux, c'est plus. Comme ça, tout le monde s'y retrouve en fait. On joue à un jeu qui appartient partiellement à Ubisoft, effectivement. Si mince, il n'y a pas de pub, c'est bizarre. Comment est-ce qu'ils font pour gagner de l'argent sur le dos des joueurs? En plus de payer pour le jeu, normalement, d'habitude, on a le droit à je sais pas, un petit DLC. Obligatoire pour jouer ou des objets des consommables qui coûtent très cher mais qui sont très importants. Mais cette fois-ci, nous avons des pubs dans le stade. Il me semble tout à fait logique finalement. Ça justifie même la publicité, disons. Allez. On fait un deuxième tour. Ouais, aïe, aïe. Ça touche. Ah, mais c'est peut-être ça la strat finalement. Enfin, je sais pas parce que j'ai pris cette trajectoire là alors que j'avais pas beaucoup de vitesse. Essayons. Parfait. Ouais, finalement, j'ai pas tant que ça de retard malgré ma piètre performance.
Hop. Ah. Oh. Ah bah voilà. D'accord. Circuit suivant, allons-y. Petite médaille. Allons-y. Ah ouais, si toi aussi tu habites dans une ville, n'hésite pas à me dire si c'est si c'est bien les transports en commun. Il y a des transports en commun, bien sûr. Moi, je... Voilà. Je ne parle pas aux gens qui habitent dans les provinces. Hein. Moi, je parle des gens qui habitent dans les vraies villes. Voilà. Parce que, anecdote incroyable, dans les transports, il y a des gens vraiment hyper intéressants. Notamment des gens qui ont l'air de plutôt de s'intéresser, on va dire, à tous les passagers. Et principalement aux passagères. Qui... Ah, comment exprimer cette idée à la fois si précise et si floue. Je dirais juste, je pense que un monsieur qui s'intéressait à la jambe féminine du tram, eh bien, se donnait corps et âme à un spectacle plutôt incroyable qui consistait à mettre sa main dominante en fait à l'intérieur de son pantalon afin de réaliser je ne sais quelle incantation vaudou. Il avait l'air d'apprécier ça, effectivement. Bon, passons à la circuit suivant. Bon, bref, en gros, le mec se branlait dans le tram, quoi. Let's go. C'était vachement sympa, hein. C'était une bonne expérience. Je pense que les enfants qui étaient là aussi étaient plutôt intéressés par ce que le monsieur faisait. Bon, voilà, entre nous, moi, je suis sorti... Wow. Je suis sorti... l'après d'après, mais bon, chacun fait ce qu'il veut de toute manière, hein, disons. Non, faites pas ça dans les transports, ne vous masturbez pas dans les transports en commun, s'il vous plaît. Voilà, bah, personne ne veut voir votre pénis dans les transports. Non, j'arrive pas à prendre ce saut. Voilà, voilà. En tout cas, si vous voulez d'autres anecdotes croustillantes comme celle-ci, eh bien, n'hésitez pas à venir tous les samedis soirs au cabaret. Je viendrai vous expliquer les petites anecdotes que j'ai dans la semaine. Putain, incroyable. Wow. Dang. Oh putain, peu cher. Comment est-ce qu'on passe ça? Ah ouais, on peut faire ça, mais bon, non, je pense pas que ce soit... Je pense qu'on doit passer plutôt de ce côté-là. Ah oui, d'accord, ben voilà. C'est mieux. Waouh, waouh, waouh. On se remet le circuit, hein. Les pattes... Aïe, c'est complexe, hein, disons. Très bien. Essayons une dernière fois. Ok, c'est parti, la bonne descente. Waouh, waouh, waouh. Waouh, 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 waouh. L'herbe, c'est terrible. Très bien. C'était exceptionnel.
On était au 5. Eh bien, passons au 6. C'est parti. Alors. Ok, je suis chaud. Jusque là, tout va bien. Je me rappelle plus des circuits, c'est vraiment terrible. Waouh. Ok, j'ai un cut là. Oh, quelle vitesse! Le cut! Pardon. Alors. Et du coup, no joke, je sais pas si quand maintenant on filme du Trackmania, on doit mettre que c'est du contenu sponsorisé avec toutes les pubs qu'il y a là-haut. Vraiment, je sais pas. Bon, de toute façon, dans tous les cas, je. Pas comme si j'allais monétiser mes vidéos, mais bon. Vous savez, wow. Je fais ça pour le plaisir avant tout. La gear. Let's go. J'ai tendance à aller beaucoup trop à gauche, comme dans la vraie vie. Voilà, un peu plus centré. Oh là là, oui, c'est pas mal ça. Bon, très bien, passons à la suite. Ça m'a l'air fort intéressant ce circuit. Ah oui, incroyable, j'adore la glace aussi. Ah oui! La stratégie, c'est de faire ça, je crois. Ouais, exactement. Ouais, je suis très très fort hein, en glace. Faut le savoir. C'est écrit dans mon livre, d'ailleurs. Ok. C'est vrai qu'il est marrant ce circuit en vrai. Allez, Zéberdi. Ok. Oh là là. Pas mal ça. Ça l'est moins. Bon, c'est pas grave. GPB, ça me va très bien. Ok. Ah oui. C'est vrai, j'adore la glace. Vous allez voir, vous allez comprendre. Non. Ok. Déjà, je suis chaud ou pas? Je suis chaud ou pas? Je pense que je vais skip hein, toutes les parties où il y a de la glace. Hein. Parce que moi j'adore en fait quand on va tout droit que ça parte en couille. C'est vrai qu'il manquait un peu de surprise dans ce jeu qui me paraissait ma foi. Un peu trop borné, un peu trop déterministe, dirais-je. Effectivement, rajouter un peu de RNG, vous voyez comme ça là, c'est, je pense que c'est hyper intéressant. Ça permet aussi que bah,
les joueurs chanceux en fait sur le devant de la scène comme Tal. Je pense que c'était une bonne idée. Hop. Non, je troll, hein. Je suis juste nul, hein. C'est tout. Alors. Mais voilà. Essayons donc de réaliser ce circuit au moins une fois peut-être avant de passer à la suite. Bon, je pense que la médaille hauteur ça peut se faire en 5-6 minutes hein, à mon avis. Je pense qu'en 5-6 minutes je peux l'avoir. C'est juste que en fait j'ai un peu la flemme. Parce que voilà, après tout j'ai un métier, j'ai une émission à tenir. Faut que voilà, il faut que ça roule quoi. Pas trop de temps à perdre avec ce genre d'idiotie. Let's go. Très bien, et bien je pense qu'on va partir sur le circuit suivant. Hein. C'est mieux. Mais pas assez. Ça aussi c'est vachement cool. Circuit suivant. Ouais, il était vachement bien ce circuit. J'aime beaucoup la glace en fait. Mais je me dis que vaut mieux laisser sa chance en fait aux autres circuits aussi. Enfin, laisser leur chance aux autres. Ok. Ok, insane. Je pense que j'aime beaucoup Trackmania aussi. Ok. Ok. Bon là, on peut aller tout droit, bien sûr, dans les arbres. C'est le bon, ça, du coup, en face. Si je comprends bien. Ok. Vraiment intéressant hein, cette partie là. Ok. Vraiment insane. Pour aller tout droit, bien sûr. C'est peut-être une mauvaise idée d'aller tout droit finalement. Après mûre réflexion. Ouais, c'est peut-être une mauvaise idée ce circuit après mûre réflexion. C'est pas si dérangeant que ça en fait d'aller sur le côté. Mais pardon, excusez-moi, c'est l'émotion. Oui. Peut-être que des pieds-bouches manquent à ce jeu. D'accord. Hyper intéressant. Passons au circuit suivant. C'était vraiment très intéressant. Très bien.
Alors. Et vous, comment s'est passée votre semaine? J'ai vraiment hâte de lire ça dans vos commentaires. On y va. Oh, ça glisse ici. Capitaine, nous dérapons. Voilà, mon téléphone a vibré. Que s'est-il passé? Très bien. Ah merde, attends. C'était la médaille gold que j'ai eue ou... J'ai pas suivi. C'est pas grave. Waouh, magnifique. Insane. Essayons une dernière fois et ensuite on va passer à la suite des circuits verts, bien sûr. Un circuit vert, tu perds. C'est smooth, c'est smooth. Hop. Waouh. Oh. C'était tout juste... voir trop malheureusement. Ah bah si, bah j'ai eu la médaille gold du coup. Ah oui, bon bah c'est bon, allez, on passe à la suite. Je crois qu'il y aura... Très bien. Allons-y. J'ai pas de circuit. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Je crois que je l'ai fait, ouais. Je m'en rappelle bien, ouais. Vraiment hyper sympa, quoi. Hyper cool, ce circuit. Ensuite, il y avait ça... moi j'adore la glace, hein, franchement. C'est une hyper bonne idée, je trouve. De rajouter quelque chose d'incontrôlable en fait sur un jeu de course. Justement, tout est censé être déterministe. Tu fais tel input, ça fait tel truc. Peu importe. Voilà, là aussi. Hein. Ok. Hop là. Oh ouais. Hop là. Oh oui. Hop. Alors, c'était vraiment intéressant. On passe au circuit suivant. Hop. On y va. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, pas ça. Ok, pas ça non plus. Là, c'est vraiment sur la précision, hein, ce circuit, si je comprends bien. Waouh, aïe, 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 quel enfer. Trop bien. Ah ouais. Marrant. En vrai, la fin est marrante.
Oh là là, c'est smooth. Tout droit, voilà. Oh là là, quelle médaille silver incroyable. On essaie. C'est lui le gold. Très bien. Non, j'ai des collègues. Oh. Passons au circuit suivant dans ce cas-là. Ok, un début assez complexe. J'ai déjà fait cette course? Ah bon. What the fuck? Voilà. Ah ouais, peut-être une fois au chalet en compétitif. Effectivement. Ah ouais, c'est ça qu'il fallait faire, d'accord. Ah mais non. D'accord. Ça passe dans le trou là? Oui, bien sûr. Titre. Alors, allons-y. Ouais, aïe, aïe. Déjà, ça démarre bien. Aïe aïe aïe. J'ai freiné mais finalement c'était pas forcément de mise. Allez, on tente pas. Tente en dessous. Ah. Ok, bon bah très bien. Très très bien. Si j'ai le WR, je m'arrête là. Allons-y. Alors. Je préfère ce genre de circuit, je pense, avec de la terre, des virages inclinés. Moi, j'aime bien ça. Ouais, non, je préfère la glace, finalement. Ok. Au libre ici? Comment ça? Oh, je sens que je vais les aimer ces deux poteaux là. Oh, je sens que ça va me donner gros sur la patate. Oh là là, mais quel trou du cul.
Ah, l'Ukraine, bien sûr. Hop, on y va. En tout cas, c'est un commentaire très riche, très important en émotions. Voilà. Sachez qu'en fonction de l'heure, peut-être, j'ai bien peut-être, je ferai du Rocket League après, mais peut-être. Let's go, le poteau. Allez, là, un petit sub 50. Et un. Oh là, oui, bien sûr. Tu es chaud là ou quoi? Bon, allez, après les bleus, il y a les rouges, puis les noirs. Toujours les noirs en dernier. Les blancs en premier. Ça, je dis rien. Non, j'ai touché où? Voilà, c'est mieux ça. Voilà. Oh là là, médaille silver, je suis trop chaud là, let's go. Let's gong, let's gong. Oh. Si j'ai déjà fait cette carte, j'ai peur qu'elle soit nulle. Ah, j'ai déjà fait en compétitif seulement. Oh là 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 là, magnifique. Les derniers essais. C'est un moment, voilà. Faut pas déconner. Wow. Putain, mais je freine et je me prends quand même. Oh là là, c'est bien mieux. Allez. Let's go, les rouges. Alors. Voilà. Crois que celle-là, voilà. Donc on prend ce virage là, on prend ce virage là. On a peut-être pas dû freiner, mais bon, c'est pas grave. Ah ouais. Faut bien sûr rester comme ça. D'accord.
Hop. 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 Voilà, magnifique. C'est à gauche. Ok, non, je pense que le mieux est à droite. Oh oui, d'accord. Allez. Parce que moi, je n'ai pas que ça à faire. Hein. Je suis un homme d'affaires à ce prix. Hop, effectivement, ça a l'air plus galère de le prendre là, mais c'est mieux. C'est mieux. Wow. Putain, les petits bâtards! Oh, les petits bâtards, ils ont mis des petits écrans de merde. Genre là, là. Bam. Oh là là. Allez, là, faisons au moins un temps, bordel. Voilà, ça c'est du full speed. Let's go. Let's go. Ah ouais, c'était vraiment un super circuit. Oh, c'est de la glace. Oh ouais. Trop bien. Oh ouais, ouais, ouais. J'adore la glace en plus. C'est trop, trop bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Allô? Ah. Voilà, comme ça. Ah ouais. Ah ouais. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire à l'aide? Oui, tout droit. Faut juste aller tout droit là? Ah non. Oh là 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 là, je sens que j'ai vraiment aimé ce circuit lui aussi. J'apprécie vraiment tous les circuits. Putain. Ça, c'est vraiment ça. La glace au début en plus, c'est vrai, ça fait plaisir. Trop freiné. Let's gong. Trop bien. Trop bien. Voilà, mieux là.
Yes. En tout cas, je pense que voilà, c'est vachement intéressant quand même comme commentary, ce que je raconte. Allez, et là ça va le faire. Ouais. Ok, vroom vroom, tu tues l'érageux, yes, vraiment trop trop bien. Oh non, oh non. Allez, on recommence. On y va. Voilà. Bim. Voilà, dans le doute. C'était vraiment trop bien ce circuit. On passe au suivant. Je me suis vraiment beaucoup amusé. J'espère que le prochain sera aussi amusant, aussi original et complexe. On y va. Oh putain, celui-là je l'ai fait en compète, je crois. Celui-là je l'ai fait en ranked. Oh oui, je l'ai fait en ranked, ouais. Quand on découvre un circuit en ranked face à des gens qui le connaissent bien, ouais, on passe un bon temps. Ouais, je crois qu'on s'est pris un 5-3, un truc comme ça. C'était. Voilà. Bon, allez. Après, on avait fait la remontada, hein, parce qu'il y avait 4, il y avait 4-0. Puis ensuite, on s'est dit non, mais bon. Pas. Un minimum, quoi. Oui, là, il y a un cut, mais j'ai pas la vitesse. Quel plaisir. Et puis il y a un trou à la fin, c'est vrai. C'était vraiment hyper malin de la part du créateur. De mettre un petit trou à la fin, ça surprend en fait les coureurs. Ça nous permet aussi de savoir qu'effectivement il faut savoir s'adapter à chaque situation. Et que c'est pas parce que c'est une idée vraiment nulle à chier de merde que c'est pas impossible que ça soit là. Je pense que c'est une bonne idée finalement. Ça permet de nous entraîner en fait à chaque situation. Et nous dire que on peut pas se dire que enfin, ça nous évite de nous dire un jour non mais c'est vraiment impossible, c'est vrai. Le mec qui fait ça c'est vraiment le plus gros des connards qui n'a pas de race. Eh bien détrompez-vous puisque ça peut finalement arriver. Voilà. Ok. Le trou. J'en suis rappelé. Très bien, on va passer au circuit suivant tout de suite. Tout de suite. Ok. Ça commence par un saut. What the fuck? Ensuite, là, il faut. D'accord. Ok.
Ah oui, en fait, ça va. Ok, j'ai le cut. Voilà, j'aime beaucoup ce genre de circuit. Parce que voilà, comme le précédent, en fait, on se dit non, mais c'est impossible, c'est vraiment une idée de merde. C'est très très mauvaise idée de faire ce genre de choses. Qui oserait? Bien, ils l'ont fait. Et finalement, encore une fois, ça nous entraîne à nous adapter à la situation, puisque dans les vraies compétitions. La vraie compétition de course, les créateurs de circuits n'ont que des idées de merde finalement, et donc ça ne peut que nous entraîner en fait à la réalité des choses. Bien sûr, dans la Nudist Cup, mais ça, c'est une autre histoire. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, oh oui, bah alors là. Là, non, mais c'est bien parce qu'on a atteint en fait les championnats du monde des idées de merde. Et c'est une bonne idée. C'est une bonne chose parce que du coup, je pense que ça donnera. Oh, wow, wow. Attendez, quoi? Ouais, c'était vraiment hyper intéressant ce circuit, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais je pense que c'est aussi intéressant de vous montrer la suite des autres circuits, qui sont tous aussi intéressants les uns que les autres. Et je me demanderais. Et je me dis, au final, pourquoi est-ce que un circuit aurait plus de temps à l'écran qu'un autre? Voilà. C'était une décision difficile à prendre. C'est une décision difficile à prendre, mais. Ah voilà, on est bien d'accord. Mais effectivement, voilà, je saurais l'assumer. Ok. Ouais, yes. What the fuck? Les derniers essais. Ouais, vraiment intéressant ce circuit.
Ok. Ouais, vraiment super bien. Aïe aïe aïe. Il est quelle heure là? Putain. Ça fait donc une heure que nous sommes ensemble déjà, nous amuser tant que ça. Ça c'est beau. Voilà. Ok. Ok. Wow. Non. Vous en faites pas, tout est sous contrôle. Par un contenu sponsorisé par Morbius. Ah, il fallait vraiment aller là en fait. D'accord. Waouh. Oh là 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 là, ça devient long. Ok. En vrai, bon circuit. On sent tout de suite l'inspiration des montagnes et des pistes noires. En vrai, c'est sympa. Ah, de la glace. Je déteste ce circuit. Voilà. Au moins c'est dit. Oh bah oui, oui bah. Pourquoi pas au final, quitte à prendre des décisions illogiques, autant faire ça comme ça, c'est sûr. Autant faire ça comme ça, c'est sûr. C'était vraiment cool ce circuit. J'ai vraiment adoré. Ok. Oh, wow, 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 wow. Oh, j'ai eu peur là avec tous les debuffs qu'il y a eu.
trop trop bien ce circuit. Ouais, c'était vachement intéressant, je me suis beaucoup amusé. Allons-y, ouais, trop trop bien, c'est parti, un autre circuit, trop stylé, trop marrant, lol. J'ai beaucoup aimé ce circuit là aussi. Malheureusement, je vais pas pouvoir passer beaucoup de temps dessus. Je suis un peu pressé. C'est vraiment dommage. J'aurais vraiment bien aimé continuer en fait à regarder ce circuit. Mais malheureusement, le temps est compté. On va devoir faire autre chose. Malheureusement, c'est vraiment dommage. Ah ouais, c'est vachement marrant en plus, ouais, l'eau sur les pentes glissantes comme ça. C'est une idée super marrante. Permet en fait de montrer aux joueurs que malgré qu'ils pensent avoir l'adhérence, en fait il ne l'a pas. Là, je peux pas le skip, c'est le dernier. Aïe aïe aïe. Oh. Oh mince, j'ai eu une coupure d'internet. Oh mince. Ah, c'était vraiment trop bien, Trackmania. On se... Ouais. À plus.